Bonjour, good morning. Mr. je I feel like a rookie as a director listening to you after all the experience you have before, but uh, I try to do my best. My presentation will be in French just to make sure for those uh, colleagues from uh, Quebec. Je vais en profiter pour parler français parce que c'est rare qu'on ait la chance de faire une présentation à l'international et de pouvoir s'exprimer en français. Michel, es-tu là, le chef de police de Québec? Es-tu en arrière? Ou... Ah, il vient de quitter? Non, parce que tantôt, j'ai rencontré le maire Régis Labombe, et là, j'entendais qu'il y a un 5 à 7 demain. Puis, je voulais lui demander, est-ce que le petit carton pour le 5 à 7, je peux le donner au maire Gérald Tremblay pour qu'il se présente à ma place demain? Puis ça fait drôle parce que je vais avoir les deux maires dans, dans la même journée euh, aujourd'hui. Puis, en tout cas, j'avais toutes sortes d'images tout à l'heure quand je parlais avec le maire euh, Labombe. Écoutez, ça me fait plaisir d'être ici. Moi, je un gars de Québec, entre autres, donc euh, c'est encore plus particulier de me présenter ici ce matin pour venir vous parler de, de la police de Montréal. Mais d'une certaine façon, euh, disons que j'ai encore beaucoup de beaucoup de rencontres ici. Euh, hier, j'étais avec euh, Richard Deschênes, justement, et puis euh, François Deschênes, puis on parlait de la thématique d'aujourd'hui, on, on était les trois ensemble, puis on se disait, les trois ensemble, on aurait sûrement des choses à dire sur euh, la perception des médias, justement, puis... Qu'est-ce qu'on peut vivre des fois dans différentes, euh, dans différentes occasions, à différents niveaux en termes de crise, puis comment est-ce qu'on peut faire face à la situation? Parce que bon, c'est clairement exprimé, on sait très bien, on est souvent devant les feux de la rampe, puis on est souvent aussi mis à, à l'épreuve par rapport à, à la réputation de nos organisations. Et on a tous chacun nos histoires dans le fond, puis nos expériences. Puis c'est bien humblement que je me présente ici pour vous parler de, de ce qui s'est passé chez nous. Et euh, bon, finalement, je devais être avec un chef de police d'Atlanta, puis avec euh, Charles Ramsey de Philadelphie. J'ai cru comprendre que j'étais rendu tout seul. Mais euh, M. Baca, il a quand même pris un petit peu de temps, donc ça va nous permettre d'avoir une présentation assez serrée, pareil, sur les enjeux par rapport à Montréal. Écoutez, dans le fond, ce que je veux faire, c'est vous partager différentes situations et euh, si jamais ça. Ça vous interpelle tant mieux, puis ça serait le fun qu'on ait un échange là-dessus aussi. Je suis beaucoup, beaucoup plus quelqu'un de dialogue que de présentation. Je pense que c'est important, le genre d'échange, où est-ce qu'on peut avoir l'opportunité d'avoir des gens justement à l'international qui peuvent être interpellés puis nous présenter peut-être aussi leur, leur vision des choses par rapport à ce qu'on peut vivre. Je veux juste faire un, un bref euh, rappel sur euh, ma nomination, parce que moi, j'ai été... Euh, Nommé comme directeur il y a à peine environ un an et demi. Et puis évidemment, euh, quand je suis arrivé en poste, il y avait déjà un état de situation.